Salut à tous et à toutes, c'est Galax et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du walkthrough de Resident Evil 4 HD. Donc on s'en était arrêté à la fin du chapitre 4, donc on allait commencer le 4-3. 60e sauvegarde, 10h50 et 12 secondes de jeu en mode normal. Donc on va continuer la partie. On avait fait pas mal de choses dans la vidéo précédente. Donc là, on est où? Ah, donc on était monté avec le machin. Ok. Ah, là on est sorti un peu du sombre, on est un peu plus dans le jour. On prend les munitions herbe. Ok, un petit mot. L'aide dada. Une fois qu'un œuf de Plaga a éclos, il est presque impossible de le retirer du corps. Avant ce stade, les médicaments peuvent faire effet. En dernier ressort, on peut tenter la chirurgie avant le stade adulte, mais l'opération est très délicate. Cette intervention risque fort d'entraîner la mort du sujet. Je pense que l'œuf a été injecté dans la fille avant vous. Ces heures sont comptées. Préparez-vous au pire. D'accord. Welcome. Got some rare things on sale. What are you selling? Allez, on va vendre un peu tout ce qu'il faut. Bleu velours déjà deux. Is that all? Thank you. Ok. Lampe. Come back. Ah putain, je me gourre encore touche. Voilà, clé trésor. Alors, si on peut combiner encore quelques trucs. Voilà. Non. Ok. Le masque. Ouais, la couronne. Elle est bonne, le masque. Je pense pas que je trouverai d'autres trucs. Ouais, je pense que je vais tout revendre maintenant. Pour faire des sous. Lampe papillon, 11 000. Masque 15 000. Couronne de Salazar, 48 000. Si ça, c'est pas beau. Voilà, ça fait un peu de sous. Acheter, est-ce qu'il y a quelque chose à acheter? J'ai déjà acheté pas mal de trucs. Striker. Oh, Striker, il me fait pas spécialement envie en fait. Bon, le TMP, faudra peut-être que je me le reprenne un jour. Je sais pas. Ok, faut m'avoir la place que j'ai. Ouais, en plus j'aurai la place pour le TMP au pire. Je sais pas si le Striker il est bien. What are you buying? Non, il me fait pas envie moi le Striker. Je verrai pour la suite. Donc en attendant, on va améliorer, on va optimiser un peu. Puissance de feu, ouais, il est déjà bon en puissance de feu. Thank you. Améliorer un peu la contenance. Riot Gun, on va améliorer la contenance également. Thank you. Broken Butterfly. Non, lui, il faut que je l'améliore un petit peu. Vitesse recharge, ouais, il faut l'améliorer. Is that all? Ouais. Thank you. Puissance de feu, bon, bah, il est déjà pas mal, donc je vois pas l'intérêt pour l'instant. Rennes 9, ouais. Is that all? Thank you. Voilà, c'est pas mal là. Lance-mine, ouais. Is that all? Thank you. Voilà, c'est pas mal. On va rester comme ça. Ok. Ok, là c'est cool. Allez, on va se regarder. On va se regarder. Allez. Bon, on va continuer. Avant, je vais regarder la carte. Quand même. Ok, donc là, le marchand et la machine à écrire. On va continuer. Ok, donc là, la destination. Il y aura un nouveau pot de sauvegarde, donc ça devrait le faire. Ok, on ira là, il y aura... Ouais, ok, il y aura un trésor. Ok. Pas de soucis. Ah, peut-être quelques soucis quand même. C'est la tour de Babel. Ok. Ouh, ça fait peur ce gros château. Je trouve que la caméra elle est chiante.
Bah voilà, ok. Oh putain, je l'avais pas vu. Bon, il va. Et vous. Oh. Non mais c'est pas vrai ça. Ok, on a dégommé quelques-uns. C'est bien. Quand même, ils arrivent, là aussi. C'est pas possible. Ah merde. Ok. Je m'éclate bien en fait. Moi je me fais toucher par une hache encore. Ils sont chiants là ces paysans qui balancent des haches comme ça. On va combiner déjà. On va prendre une petite. Ok. Moi, s'il n'y a rien oublié, de prendre des sous un peu de partout. Je l'ai même pas besoin. Une spinelle. La gueuillade. Je suis pas trompé ce coup. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose. Le velours. De l'argent. On va monter en haut plus qu'il y a une échelle. Je sais pas pourquoi ça sert, mais on va monter en haut. Ah, d'accord. Ah, on aurait pu venir monter là pour le tuer, les deux. Mais bon. Moi, s'il y a des trésors que j'ai pas pris. Je pense pas. D'accord. Là, rien. Ok. Eh ben, c'est parti. Un feu de camp. C'est bon, encore un puits. Ouais, il y a rien là. D'accord. On va rentrer dans la petite baraque. Là. Merde, je sais pas où. On peut rentrer là. Évidemment. Oh! Je croyais que c'était un piège. Mais moi je vais dedans. Allez. Oh, ça s'ouvre. Magnifique. Sauf que je sais pas s'il faut aller là ou. Ouais, on va y aller. On s'en fiche. Allez, on y va. Oh, une secte. Ok, joli, ça fait un peu égyptien. C'est des hiéroglyphes, non? Devant vous se dresse l'offrande au lion. Bon Dieu! Ça sent pas bon en fait. Oh non, je crois que je le connais ce passage. Oh là là. Je le connais, ce passage. D'accord. Ça me dit quelque chose. Ça me dit carrément quelque chose. Oh putain, j'ai oublié des trucs en plus. Dieu! Possible. Je vais voir ce 4. Ouais, en plus, c'est ici qu'on va approcher un peu de. Ça veut dire que la porte, elle sert. Putain, faut que je retourne voir la porte.
En haut, la porte qui servait, je sais pas à quoi elle servait. Je suis descendu direct. Oui, j'ai hésité à aller voir quand même, là, juste avant. Je suis pas allé voir, mais j'aurais dû. Voir à quoi ça servait. Il y a le feu de camp. Il y a une porte là. C'est verrouillé. Off parce que. Ouais, donc. Voilà comment remonter pour rien. Mais j'étais pas sûr, donc je préfère pas prendre de risque. Nos risques. Allez, on descend vite. Et là, si je me souviens bien, c'est un passage assez chiant. Enfin, assez chiant. Assez ardu, on va dire. Avec des parasites qui leur sortent de la tête. Donc déjà, j'en vois un que je vais tuer au snipe là-bas. J'en vois même deux normalement. Et il bouge encore le snipe quand même, c'est chiant. Oh mais merde, c'est la tronçonneuse. Tronçonneuse. Oh, il passe plus? D'accord. Dès que tu repasses, je te jure que je t'allume, mon pote. La tronçonneuse. Je sais pas trop que j'entends la tronçonneuse. Bon, il y a la boîte un petit peu. Pas recharger, j'ai plus trop de balles de fusil à pompe. On va y aller au fusil à pompe. J'allais dire de. J'ai pas trop de balles de fusil. Et de fusil à pompe. Mais il est où ce tronçonneux? Oh, y a encore un bug là, ça va avec la tronçonneuse. Ça fait deux fois. Hein. Voilà. Pas, je parie qu'il est pas mort, là, c'est ça. J'ai plus de balles de fusil. Voilà, on y va. On est fou. Sacrifice au lieu. Non, mais je vais remonter en fait, j'ai trop peur. Non, il faut essayer de bien voir ce avec la tronçonneuse. Ouais, sauf que je sais pas où ils sont. Chiante, ça stresse. Fait chier cette tronçonneuse. Oh, il y a des pièges. Corizo. Ça y est, je les ai réveillés. Ils vont arriver peut-être. Bordel! Bon, on va passer par la gauche. Quoi. J'entends Corizo, mais. J'entends les gens, mais je vois personne. Ça me fait rire, ça. Allez, putain. Deux. Parasite. Voilà. T'es sûr? Heureusement que j'ai amélioré la puissance du Red Dust, d'accord. Il y a des pièges de partout. Je sais pas où il est, le petit gars avec la tronçonneuse. Je l'entends. Disons que je l'entends bien.
Il doit être encore en haut, je pense. Ouais, il est là, il est encore en train de bugger. C'est excellent, ça. Bon, bah, vu que tu bug, pitié, hein. C'est énorme, ça, il bug. Voilà. Bon, je crois qu'il est mort, hein. Je crois que ça a dû lui régler un peu son compte. Enfin, je pense. Il est où le trésor après? Ah, attendez, je l'aurais passé alors. Ouais, je l'ai passé le trésor. Ah. Ouf, là. Et il est pas mort celui avec la tronçonneuse? Bah bon Dieu. Ce qu'il lui en faut quand même. Un truc de fou ça. Allez-moi ça. Hop! Il est peut-être mort là, bordel! Bon, apparemment, il est pas mort. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est verrouillé, il doit y avoir une clé pas loin d'ici. Putain, mais il est pas mort! Mais qui. C'est quoi? C'est un bug ou. Ah voilà. Bah putain. C'est ce qu'il lui en fallait dans le buffet quand même. Hein. Oh. Énorme. Voilà. Bon, j'entends des bruits, ça se passe encore. Qui sont tous là. Merde! Ah, ah ça c'est une loupe, ça. Total. Ok. On va lancer la grenade alors. En ce cas. Voilà. Pas mal. Okay. Combiner ça. Merde. Ça. Et l'autre là-bas. La rouge, tac. Voilà, bon, j'espère que ça les a bien. Ça les a bien fait chier. C'est de la mine. Ça y est, ils sont de retour. D'accord, bah, je vais laisser mettre l'échelle. Petit grenade incendiaire. Ah, faut que j'aille récupérer les sous quand même en bas. Hein, que vous en pensez? Je sais pas si on descend ce qu'il y a en bas. Je vais d'abord tuer tout le monde là. Bon, allez hop. Oh merde, fais chier, c'est parasite à la grande mal de. Ok, voilà, je remets l'échelle parce que je dois remonter là-haut. Je visite un peu parce que là je me souviens plus vraiment ce que c'est que ça. Ouais non je pense que c'est juste une cave par contre. Ouais. Bah voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah attention, je me méfie.
Qu'est-ce que j'avais dit? Il fallait bien que je me méfie, hein. Putain, cette enflure. Ramasse ça, déjà. Parce qu'on a envie de me faire chier. Pas, ça sert à rien. Voilà, là on se coupe pas. Pour dire, il est chiant. Lui. Je sais pas vraiment comment le tuer celui-là en fait. Mettre un petit coup de magnum. Quand il approche. Et ben voilà. Ça va bien ce temps quand même, hein. Faut l'avouer. Ça passe pas mal là. Ben, c'est cool. Allez. Ça fait un petit moment qu'on avait pas eu des gueules avec la tronçonneuse quand même. Ben, ce passage, ça. Ça ramène quand même un peu de. Comment dire, de terreur. Ok. Donc c'est bon. Ah ouais, non, mais en fait, je suis rentré pour rien. En fait, j'aurais pu le laisser parce que. Ouais, je récupérerai juste quelques caisses. Seule chose qui m'embête un peu, c'est le trésor. Qui. Ouais, je pense qu'il faut faire le sacrifice alors. Je sais pas pourquoi ce qu'ils ont dit là. Donc là, j'ai eu la clé. Normalement, voilà. Utiliser. Comme d'habitude, vous avez utilisé la clé de la main. Ouais. Ok. Magnifique. C'est quand qu'on aura le passage en wagon à la Indiana Jones? C'est énorme. Ouh, la texture là. Ouh, c'est pas beau. Mais. voilà. Tu crois que je l'avais pas vu, hein? Donc logiquement, si c'est comme l'autre fois, il faudra tirer sur les trucs rouges. Parce que je suppose que ça va aller plus vite. Ou pas. Par contre, les pics ont l'air mieux méchants. Mmh. Allez. Voilà. Ah, mais par contre, il y a des parasites avec. Ça, par contre, c'était moins prévu, tu vois. Je savais pas qu'il y avait quelque chose avec. Alors, déjà, je balance ça. Y'a pas une option pour ralentir le temps? Oh, mais attendez, c'est pas possible. Attendez, je vais virer l'autre. C'est un peu mieux chaud là. Voilà, là vite, je reprends le 29. On se dépêche, on se bouge plus. Voilà, putain, il fait chier lui. Attendez, là, je vais le bousiller. Je pense qu'il me reste plus qu'un truc rouge. Putain, Indiana Jones. Voilà. Ouh. C'était un peu plus stressant que la première fois qu'on avait eu les pics. Quand même. Bon Dieu. Bon. Ça n'y a rien. Si. Oh, bah si, il y avait quelque chose en plus. Ok. C'est tout, donc là on est où? Pour situer un petit peu. Ok, donc on va arriver dans le truc. On va se soigner un petit coup. Voilà, on augmente notre vie en même temps. Elle recharge. Là, il n'y a rien. Bon, on aura le droit à quoi? Du sable, d'accord. Ça sent le sable mouvant. Je sais pas pourquoi. Attendez, je vais recharger ça. Ah, c'est bizarre, une grosse pièce comme ça, là. Ça sent quand même le sable mouvant. Fusil à pompe.
Bah ouais. Bon ça va, on a... Bon, je crois que c'est une... Ça va être plus chaud. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ah, le wagon. Ça, ce serait cool. À la Donkey Kong Country. Non, faut quand même pas trop en moyen non plus. C'est pas un jeu arcade. Oh oui. Oh oui. Et bon, on va y aller. One, two, three, go. Je sais pas comment ça va avancer. Ah d'accord, avec le levier. Ouais. Alors là, c'est une superbe scène qu'on va avoir le droit ici. Normalement. Il faut tirer sur le levier, non, je parie. Je dois être ça. Exactement. Olé! Oh putain! Je veux. Attendez, mais je vais derrière. Hein. Je vais derrière. Scène. Très très belle scène. Oh putain. D'accord, bon là ça va être plus compliqué vu qu'il y a une tronçonneuse. Beaucoup plus compliqué là. Faut vite que je tire sur le machin là-bas. Voilà, on repart. Putain, ça me fait peur pour les munitions de fusil. Putain, j'ai plus de munitions de fusil à pompe là, par contre, je suis dans la merde. À prendre le bang, hein. Ouais, on va prendre le bang. Au moins pour le... pour eux, on va prendre un petit lance-mine. Oh putain! Très mal joué ça, mon gars. Allez, on prend la super vie. Ok, on se casse vite, je vois la tronçonneuse. Ok, je prends le magnum parce que je vois le tronçonneur qui arrive. Il est mort le tronçonneur? Ou pas? Dégage. Bon, est-ce que j'ai d'autres munitions de fusil à pompe? Ouais, je me suis rechargé. Oh putain, il y a le parasite. Oh
non, 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 non. Attendez, là, je vais prendre le fusil à pompe. Oh putain, j'ai plus de vie. Oh nom de Dieu. Oh le bug du gars, il est en train de... Voilà, je vais mourir de toute façon, c'est pas possible que je chienne. Ouais! Ok, attention, montez, montez! Allez! Ouh, c'est chaud! Non, j'ai réussi. J'ai réussi! Oh nom de Dieu! Oh, comme c'était chaud! Oh là là! Bon, j'espère qu'il faut vite que je trouve de la vie par contre, parce que ça reste compliqué. Du premier coup, bah, c'est pas mal. Ouais, on va arriver au truc. Par contre, le trésor, franchement, je l'ai pas trouvé. Oh, peut-être après qu'on y retourne, je sais pas. Ouais, ça va être la fin, apparemment. Je vais bientôt recharger. Chaud quand même, hein. Franchement, je vais faire la bonne game. J'espère que je vais pas mourir après. Moi, j'espère que ça s'en verra après cette scène-là, parce que ça me fait chier. Vide, bien. Le magnum, il n'est pas rechargé. Non. Ok. Allez, on va continuer. J'ai bien souffert quand même sur cette scène. Ouvrir. Oh. Il n'y a pas de truc à prendre. Je suis dans le rouge. Obtenu pierre du sacrifice. Ok. Eh ben, Lilo. On est où là? Je sais, je regarde souvent la carte, mais c'est parce que j'aime bien savoir où je suis. Ouais, peut-être qu'on va revenir là après. Sûrement. On va ressortir par le truc. Je sais pas, moi. À voir. Ouais, si, c'est ça. Bon, on ressort par où? Ouais, je vois même pas. Mais d'accord. On l'avait vu tout à l'heure. Putain. Bon, alors par contre. Est-ce qu'on peut essayer d'aller se trouver un marchand pour prendre un spray? Style. Non mais ça va le faire, là, il va y avoir un peu de sauvegarde juste derrière. C'est verrouillé, un message dit offre le sacrifice au lion. Bah normalement je l'ai le truc. Voilà, utiliser. Voilà. Normalement, après, il y a une sauvegarde. Actionner. Normalement, hein, j'espère qu'il n'y a pas des méchants. Voilà, fin du chapitre, nickel, c'est parfait, je suis trop bon. Voilà, mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, cette 17e partie du walkthrough de Resident Evil 4 HD sur 360. Et c'est la fin du chapitre 4-3. Et je vous dis à la prochaine pour le chapitre suivant, le 4-4. Salut tout le monde et à la prochaine.